Il est 6h. Attends Jean-Claude. Après une petite nuit de sommeil à l'hôtel, nous voilà sur les lieux. Et on attend Jean-Claude pour partir en guidage. Tu lèves la petite épingle d'ici, tu poses ton poisson sur le plomb pour l'épingler dessus là. Et tout simplement, elle vient se piquer sur le crapaud. Suite à ça, on va prendre l'empile avec son hameçon. On va le positionner sur le filet du dos. Alors ce que je fais, moi, tu vois, regarde l'empile là, là. Et si je pique maintenant, mon empile il va bailler. Ce que je fais, je contorsionne un peu le poisson. Je vais sauter le trois écailles. Et je le pique un peu plus loin. De manière à ce que l'empile soit linéaire. Voilà, regarde, il est bien. Il est bien disposé le long du corps. Voilà, alors l'action de pêche, là, c'est contact, monter, et sans arrêt. Et la touche, je vous ai bien affairé, j'aurais dû faire un affairage avant. Parce qu'il faut quand même assez violent. Hein. Alors, il faut y aller, hein. La touche, vous allez vous faire surprendre. Ouais. Parce qu'on reste des longs moments sans touche, et d'un seul coup, et tu t'es fait avoir. Ça veut dire, voilà, beaucoup moins vite. En fait, tu peux mettre deux petits accoups en montant. Tu fais un, deux, voilà. Voilà. En fait, il faut le raccompagner à l'immersion. Il ne faut pas que ton fils il ouais, c'est d'accord. Ça, il faut que tu sois toujours en contact. Et tu auras forcément un moment, boum, mais dans la journée, ça va tomber. Voilà. Après, c'est un jeu de patience. On ne pêche pas les arbelles, je le dis bien. Et c'est plus les pêches que j'ai fait il y a 10-15 ans. Oh là là. Ouais, il est là. Hop, hop. Il est en train de monter sa ligne. Regarde, il la monte par à coup. Tu vois. Regarde, regarde, regarde. Tu vois en bas. Allez, 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 ça tient aussi. Deux fois. Allez, doublé. Tiens, un champion. Ah non, tu m'as battu, hein. Et il a torché ton zili, là. Hein. Doublé. Ouais. Et le rythme, en règle générale, je peux donner 3 coups, 4 coups, j'attends un peu. Ouais. Et c'est souvent après le coup de plomb que le poisson monte. Jamais pendant. Quelquefois, tu vois monter un beau silure, tu viens le planquer, tu vois monter un silure. Si tu vois le silure monter, tu remets un coup de plomb dessus, tu es quasiment sûr que tu le fais redescendre. C'est après qu'il vient là. Après, c'est toujours pareil, il y a une façon de présenter.
si tu vois un silure monter, apparaître en haut et que tu as tendance à monter ta ligne dessus, tu vas le faire redescendre. Il vaut mieux être au-dessus, jamais au-dessous. Parce qu'au-dessous, ben, en règle générale, il vite sans monter, il se barre. Et des fois, la trop belle présentation, c'est pas bon. Si tu leur mets trop devant le nez, c'est pas bon. Il vaut mieux faire un échappé du poisson, redescendre, s'arrêter, remonter un peu, et souvent, tu déclenches une attaque. Il m'a piqué tous mes verres. Ah, allez, 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 bon, allez. T'as vu, je t'ai dit, regarde celui-là. Ouais. Oh, il monte, boum. Ah, c'est des petits encore. Hein. Des petits pinsous. Ah, mais il rentre pas dedans. Ah, le bit qu'il a. Regarde comme il était mordu. Bien ouais. T'as vu les morsures des gros? Regarde la morsure d'un gros. Tu le vois, hein? On voit bien les râpes dedans. Ouais. T'as vu les râpes? C'est impressionnant, ouais. Hein? On va essayer de sortir ça. C'est dur les gars, hein. Désolé. Hein. Comment on est gâté ici? Voilà, petit casse-croûte. Ça fait du bien. 6 petits poissons ce matin. Deux décrochés. Un qui était pas mal, qui c'est qui a décroché le plus joli? Peut-être c'est toi. Ouais. Voilà. Bon, c'est un peu compromis avec le vent du sud. Hein. Pas de chance, un petit vent assez fort, 50 km/h maximum. Quoi. Ça gêne énormément dans les dérives. Et puis, à dire quand même que le 1er mai, enfin, il y a deux jours, là, il y avait pas loin de 18 remorques à la mise à l'eau. Et apparemment, il ne s'est pas fait grand-chose, puisque aujourd'hui, il n'y a personne sur l'eau. Ouais. Mais on passe un bon moment. Bon, j'en profite. Conclusion aujourd'hui, et ben alors déjà dans un premier temps, je te dirais qu'il faut pas forcément aller avec Jean-Claude Tanzi pour être sûr de prendre des big fish, et que dans la nature, ben Jean-Claude Tanzi, et ben c'est pareil que les autres. Hein. Voilà. Bon, maintenant pour justifier un petit peu notre journée, on va dire que ce matin on a touché 8 poissons, on en est sorti 6, et cet après-midi je touche un big fish. On l'a tenu, ne serait-ce que quelques secondes. C'était malheureusement le canot de la journée et on l'a décroché. On a vu très peu de poissons au sondage. Pour finaliser et me justifier encore, on a eu une ouverture de pêche ici le 1er mai. Alors un temps exécrable, il y avait énormément de bateaux, tout le monde est rentré avant midi. Il ne s'est rien pris de spécial. Et il y a seulement deux jours, sur 6 bateaux, il s'est fait un silure dans la journée. Donc il y a quand même un problème. Ouais. Alors le problème maintenant, quand on voit pas de silure au sondeur, ben, y a encore des choses que j'arrive pas toujours à éclaircir. Faut rester humble, c'est tout ce qu'il faut dire. La pêche, jamais se prendre le bourrichon avec. L'humilité, c'est la première qualité du pêcheur. Et la seconde, c'est la persévérance, la patience. Et aussi la patience. Voilà. En tout cas, merci. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est sympa. L'équipe comme vous, là, toute la journée. C'était cool aussi. Voilà.